Aujourd'hui, un peu spécial, hein, Denis, puisque aujourd'hui, on a fait une interview des gens de la vie de Dieu. Alors, vous aurez ça dans 5 minutes. On est allé les voir parce qu'ils ne pouvaient pas être présents sur l'émission en direct. Ils sont au boulot, quoi. Donc, voilà, les gens qui s'occupent du collectif qui voudrait demander des comptes un peu à tout le monde sur pourquoi on construit une centrale à la vie de Dieu. Tu vois, peut-être d'ailleurs... Écoute, c'est le moment. Une centrale pour faire du bouton à chou. Oui. Donc voilà, il y a un collectif qui s'est monté, donc il y a eu des enquêtes, et il y a des choses qui ont été dites, mais ce qui n'a pas été dit, c'est que les spéléologues d'Aubenas, qui c'est un bon groupe de spéléologues, ont fait des recherches sur les grottes dans ce calcaire-là. Et dans ce calcaire-là, il y a entre 6-8% de cavités qui se communiquent plus ou moins entre elles par des canaux un peu plus ou moins gros, et qui ressortent à Vauguet-Ville, pas Vauguet-Gare, à Vauguet-Ville. Alors c'est la grotte du Pontet et la grotte de l'Estanier. Ils ont fait des lâchers de colorants sur le poiron, et c'est ressorti à Vauguet. Donc tout se communique, donc s'il venait l'usine à avoir des problèmes d'étanchéité ou des fuites de réservoirs quelconques, ça se retrouvera à Vauguet dans l'Ardèche. Donc, gros problème de pollution. Bon, le sujet va être développé dans quelques minutes. Tout le bassin est concerné, quoi, hein, c'est assez clair. Alors, c'est vrai que ça pose des questions sur la démocratie, parce que bon, si tout le bassin est concerné et qu'on a les élus, certains élus qui, me semble-t-il, bottent en touche, ou sont élus sans l'évoquer au moment de l'élection, par exemple, le mec qui a été élu maire à la vie de Dieu, quand même, il n'en a absolument pas fait état de cette centrale au moment de la campagne électorale quand il a été élu. Donc il a été élu sans que ça a été évoqué. Bon, ça paraît quand même assez surréaliste, ce genre de choses-là. Oui, surtout qu'il était au courant, ça traîne depuis quelques jours voilà. Dans les cartons. Hein. Oui, c'était dans les cartons depuis très longtemps. À Aubenas, ils bottent en touche, ils disent que bah ils vont pas empêcher le projet de se faire, ils vont pas voter pour, mais ils vont pas voter contre. Donc comme ça, allez, vas-y. Je m'en lave les mains, tu sais, c'est Ponce Pilate. Oui, et puis on n'a plus le droit d'arriver. Ouais, voilà. Alors c'est vrai que y a des choses sur cette société qui partent de travers, de partout, on peut voir ça sans arrêt. Moi je trouve que, bon donc là, il y a la démocratie qui ne va pas, mais on a l'impression qu'on ne sait plus comment faire pour arriver à lutter contre. Alors il s'est créé un collectif qui s'appelle Plus Jamais Ça, et qui réunit des gens, des associations, des syndicats, des partis politiques. C'est un peu nouveau comme truc, mais c'est parce que cette société part complètement de travers. Oui, mais c'est national. Voilà, c'est national. National. Donc il va y avoir une réunion le 13 octobre là, à La Bobine, une réunion publique. Donc tout le monde est invité, tous ceux qui sont intéressés de venir, c'est à 20h à La Bobine. Oui. Et après, tu avais une autre annonce à faire sur quelque chose. Oui, là, c'est le 10 octobre, ouais. C'est à 16h. C'est au château de Saint-Michel-de-Boulogne, donc c'est au château. C'est une conférence gesticulée sur la sécurité sociale alimentaire. Voilà. Sécurité sociale alimentaire. Donc on en arrive à être obligé de lutter pied à pied sur la sécurité sociale alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui crèvent de faim, quoi, en clair. Voilà. Hein. Et manger sainement. Alors vous allez avoir maintenant donc ce reportage qui a été fait à la vie de Dieu avec le collectif qui lutte pour que ça se sache ce qui est en train de se passer. Vous allez avoir tous les détails parce que ils ont creusé le sujet et tout ça, et ils appellent un peu au secours quand même. C'est-à-dire qu'ils trouvent que les gens pour l'instant ne se mobilisent pas trop autour. Mais c'est qu'un rapport de force. Voilà. Il n'y a que ça qui compte. Bonjour. Alors aujourd'hui, on vient essayer d'expliquer pour tout le monde qu'est-ce qui se passe à la Ville Dieu. Eh bien, la centrale, c'est sur la zone industrielle de la Ville Dieu, avec le projet prévu.
juste à côté de la carrière ADCEG, à côté du SIDOMSA, pour ceux qui connaissent, si c'est là-bas que ça va se passer. Une fois qu'on aura dit ce qui va être à l'intérieur de notre émission du jour, on fera un développement, pour ceux que ça intéresse, sur le côté technique. Hein, on est d'accord ? Ok. Alors, en quoi cette centrale peut être gênante ? Tu parlais de 5 points. Oui, alors, les 5 points, nous, que l'on a soulevés, c'est donc la santé, l'environnement, le tourisme, l'économie, et puis le bien-être. Le bien-être cadre de vie. Le cadre de vie, en général. Alors, rapidement, avant qu'on développe vraiment, la santé, pourquoi ? Vas-y. La santé, alors donc la santé, pourquoi ? La santé, parce qu'en fait, c'est lié au produit que l'on transforme. Hein. On fabrique de l'enrobé. L'enrobé, c'est à base de bitume, à chaud. C'est une centrale à chaud. Des produits toxiques qui sont émis dans l'atmosphère. C'est pour cela qu'on parle de la santé. Et ça impacte la santé. Tout à fait. L'environnement, pourquoi ? Eh bien, l'environnement, pourquoi ? Parce que soit en cas d'accident, soit en cas de dépôt dans la nature, on peut avoir des incidences, et notamment, ça, c'est lié à l'implantation, puisqu'on est sur un plateau calcaire, extrêmement, il n'y a pas aucun système de filtration, et dessous, on a des rivières souterraines d'un très gros débit, donc on a des risques de pollution, principalement de l'Ardèche, à partir de Vogué. D'accord. Le tourisme. Ouais. Si je peux reprendre. Oui. Au niveau de la santé, ça impactera nécessairement l'air qu'on respire, l'eau que l'on boit. Au niveau de l'environnement, ça impactera nécessairement l'environnement et notre cadre de vie, c'est-à-dire la forêt dans laquelle on peut marcher, faire des randonnées. Ça impactera également tout ce qui relève de la nature. Là, on voit effectivement le lien avec le tourisme. Parce que d'une part, les gens viennent en Ardèche et aussi à la ville de Dieu pour profiter du cadre de vie naturel, pour profiter également du calme. Et qu'est-ce qu'il en sera une fois que si cette usine de centrale d'enrobé à chaud s'implante, qu'est-ce qu'il en sera de l'air qu'on respire, du cadre de vie? Les gens ne viennent pas, les touristes ne viennent pas regarder des centrales à bitume tourner. Ils ne viennent pas non plus pour croiser des camions, pléthore de camions sur nos routes. Donc santé, environnement, tourisme. Ensuite économie. Hein? Alors, en quoi l'économie est impactée ? Économie, parce qu'en fait, déjà sur le foncier, la valeur foncière est locative. Quand on a des milieux comme ça où il y a des centrales, des moyens industriels polluants, eh bien, ça a un impact sur le foncier. Évidemment, il y a plein de gens qui voudront peut-être plus acheter un terrain, etc. Donc, ça impacte sur la valeur foncière. La valeur foncière et locative, ouais, tout à fait. Ouais. J'ajoute qu'il y a un nombre considérable de gens qui louent des gîtes, simplement. Est-ce que ces gens pourront continuer de louer leurs gîtes quand il y aura à proximité pas moins de 3 centrales d'enrobé? Donc là, tu commences aussi à aller sur le sujet bien-être et cadre de vie. Hein, voilà. Alors, donc c'est le cinquième sujet. Il y a une chose que j'ai pas faite et que je me sens en dessous de tout, c'est que vous vous êtes pas présenté. Oui, alors moi je m'appelle Bernard Martin et donc ben, je fais partie du collectif pour la protection du plateau des Gras de la Ville-Dieu. D'accord. Voilà. Et toi ? Moi, je m'appelle Lionel Achigdian. Je fais aussi également partie de ce collectif pour la protection du plateau des Gras. Et j'étais aussi et je fais toujours partie du collectif contre les gaz de schiste. Et j'estime, et nous estimons que c'est lié. En deux mots, si je peux me permettre, en deux mots, si on laisse se répandre indéfiniment la zone industrielle, comment est-ce qu'on pourra s'opposer à terme à l'implantation de gaz de schiste? Dans cette introduction, donc la dernière chose à laquelle tu commences à faire appel, c'est l'intérêt général, hein, c'est-à-dire que les gaz de schiste, c'est de ça aussi qu'il s'agissait. En quoi on a impacté sur ce projet? C'est un projet régional, hein, aussi. Alors l'intérêt général, en fait, il faut comprendre qu'il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, on a, il existe, il y a déjà des moyens. Hein. Il y a Ardèche-Enrobée. Ardèche-Enrobée, il faut savoir que c'est l'actionnaire majoritaire Eurovia. Il y a également donc Colas. Et aujourd'hui, SATP, jusqu'à présent, utilisait ces moyens-là. Il y a eu un différend commercial entre SATP et Eurovia. Et du coup, SATP souhaite acquérir des moyens de production, mais ça ne sert aucun intérêt général. Il n'y en a pas. Tu nous rappelais tout à l'heure, sur l'aspect politique actuel, ce qui est théoriquement, tout le monde est un peu écolo maintenant. Alors, théoriquement, tout le monde est un petit peu farouchement définitivement écolo. On l'a vu avec la création récente de l'Office français de la biodiversité, ouais, dont on peut se féliciter. On le voit régulièrement avec toutes les politiques qui sont affichées, toutes les politiques gouvernementales, entre autres, européennes. Tout le monde est d'accord pour aller vers la direction écologique, mais dans la réalité, avec ce projet, ça ne sera pas moins que la troisième centrale d'enrobée sur la ville de Dieu. Sur la troisième centrale. Pour préciser. Pour finir cette présentation, parce que là on est dans la présentation, j'ai encore trois questions. Les routes, alors comment on va faire pour les routes? Bah, tu viens plus ou moins y répondre, c'est la troisième centrale, donc on va pas être en panne comme ça. L'emploi, est-ce que ça va favoriser l'emploi? Ça... Alors, il y a plusieurs choses. Si je peux commencer, sur les routes, on ne risque pas définitivement d'être en manque de bitume. Pourquoi? Parce qu'on a en France 500 centrales, voire plus, 500 centrales d'enrobage de bitume. Et en plus, ça serait la troisième sur la... En plus, sur la ville Dieu, localement, ce serait la troisième centrale. Ce qui, à mon avis, constitue un triste record. Qui sera définitivement un triste record. Pardon. Dans cette présentation... L'emploi aujourd'hui, il faut savoir que, comme on l'a dit, vu qu'il n'y a pas de besoin d'enrobés supplémentaires, certes, dans ce projet-là, on parle de création de 2 emplois, mais qu'est-ce que cela pèse par rapport aux risques que l'on fait encourir sur le tourisme, etc. D'autant plus que quand l'on dit qu'il n'y a pas besoin d'enrobés, ça va même plus loin que ça, puisqu'au niveau régional, il y a des engagements de la région pour la désartificialisation des sols. Cela veut dire que, d'un point de vue politique et général, on veut moins d'enrobés. Donc, il y a une incohérence totale. D'accord. Dernière chose, dans cette République magnifique, liberté, égalité, fraternité, où est la concertation? Est-ce qu'il y a eu une concertation? Il y en a pas vraiment. Alors après, est-ce qu'il y a une inégalité? Pas forcément. Mais sur un tel projet... franchement, on se contente du minimum légal. Aucune concertation préalable. Plus loin que ça. Il faut savoir que même vis-à-vis des services publics, notamment par exemple sur les eaux, c'est un exemple flagrant. Aucune consultation de l'EPTB qui gère justement toutes les eaux. Rien. Donc aucune concertation. J'aimerais ajouter que ce projet de centrale d'enrobage a quand même n'est pas tombé de la dernière pluie. Tu veux dire qu'au moment de l'élection municipale qui a eu lieu récemment, tout le monde était au courant que cette centrale était prête? Alors, ce que je veux dire, c'est exactement l'inverse. Pas une seule fois, ce projet n'a été abordé lors de la campagne électorale des municipales. Pas une seule fois. Quelle surprise, oui. Alors que le projet était déjà dans les tuyaux et voilà, aucun exposé et aucune information de la population. Alors on repart à notre plan de présentation de tout ça. Alors, si vous voulez détailler, où est ce projet exactement et qu'est-ce que ça induit sur le coin localement? Déjà, si on va vraiment dans le détail, le plateau de la Vidule, le plateau des Gras, il faut savoir qu'il fait partie de ce que l'on appelle l'unité aquifère Nord-Vaugué. C'est la plus grosse réserve en eau souterraine du Bas-Vivarais. C'est la citerne du coin. C'est un plateau qui fait 21 km². Il y a une réserve de 31 millions de mètres cubes d'eau dessous. Alors, le projet en lui-même n'est pas dans ce qu'on appelle la zone de sauvegarde,
qui est au nord de la nationale, mais il n'empêche, il est quand même sur ce système-là, et il s'est positionné pile sur ce qu'on appelle les collecteurs principaux. Ça, donc le système de réseau de rivières souterraines qui se jettent à Vauguet, ce qu'on appelle les sources du Pontet. C'est des débits qui sont énormes, 140 litres seconde, et sur ce dossier-là, par exemple, on y fait à peine allusion. Il faut bien comprendre que quand on en parle, y a-t-il des rivières à proximité ? Non. On oublie juste de dire qu'il y en a une juste en dessous, mais parce qu'on la voit pas, circuler, on n'en parle pas. D'accord. Donc c'est pas donc c'est ça, juste. Là, il y aura une pollution, de toute façon, de cette eau-là, hein, ça paraît évident. Mais cette eau-là, est-ce qu'elle fait partie, pour l'instant, des réserves utilisées ? Non, ça va faire partie de ce qu'il faudra avoir en réserve. Alors, dans les études de l'EPTB, ce que l'on sait, c'est que à l'horizon 2045, le besoin en eau localement devrait grimper de 25 à 30%. Le système de distribution de l'eau actuelle via la Fontolière semble pas impossible de répondre, d'autant qu'on a le réchauffement climatique, etc. Donc les réserves en eau karstique de ce type de sol dont il est question, on va en avoir vraiment besoin. Donc aujourd'hui mettre en péril ces ressources là, c'est dramatique. Concrètement, ça veut dire que je rappelle que on a eu des coupures d'eau l'été passé. Je rappelle qu'on a eu un territoire en stress hydrique. Concrètement, ça pourrait vouloir dire qu'on va devoir choisir entre permettre aux touristes de se doucher ou aux habitants de pouvoir boire leur eau potable ou aux agriculteurs d'arroser leur... Est-ce que vous avez fait appel à la ministre de l'écologie, parce que on est dans un gouvernement qui théoriquement se préoccupe énormément de l'écologie. Est-ce qu'elle est interpellée? Non, nous on l'a pas fait. Vous l'avez pas fait encore, mais il va falloir le faire, bien sûr. J'espère que cette émission y participera. Sur la santé, quand même. Ce qu'il faut voir, c'est notamment par rapport au gaz émis. Il y a notamment les composés organiques volatiles, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il faut savoir que ce sont des éléments cancérigènes. Oui. Donc extrêmement mauvais pour la santé, en particulier pour les personnes les plus faibles. Donc c'est les enfants ou les personnes fragiles. Tu veux dire que c'est un autre Covid, quoi. Ah, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même par rapport à la norme, par rapport au HAP notamment, la norme exige sur ce type d'installation 0,2 microgrammes par mètre cube. Le constructeur garantit juste cela, 0,2 microgrammes par mètre cube, mais en milligrammes par mètre cube, mais en précisant que en fonction des produits recyclés qu'on injecte, il peut pas le garantir. Donc, on est exposé. Oui, mais normalement, il y aura à des moments donnés des vérifications. Alors, est-ce qu'elles seront téléguidées? Alors, les contrôles. Oui. Il faut savoir qu'ils ne sont pas inopinés. Ils sont définis au préalable. Donc, en général, on choisit le bon moment. Derrière, par rapport à ces contrôles, il faut savoir que ça a été très largement contesté par notamment une ancienne ministre de l'Environnement, Delphine Batteau, qui, elle, a considéré que c'était inacceptable, parce que dans cette affaire-là, les gens sont jugés partis. C'est inacceptable, surtout sur ce genre de sujet. Enfin, quand même, parce que c'est vraiment alarmant, quand on voit justement que l'on va exposer des personnes à de tels risques, notamment, on est sur des particules fines, des choses qui s'attaquent au système respiratoire, etc., etc., que ça touche les plus fragiles, et qu'on est en pleine crise, comme on n'a jamais vu avec le Covid, comment peut-on se positionner ainsi sur ce sujet? Je suis obligé d'avancer, écoutez, excusez-moi. Je suis obligé de jouer la mouche du coche et ça ne me plaît pas forcément. Environnement, deuxième sujet. Alors. L'environnement, c'est vraiment lié à la santé. Toutes les implantations, et il y en a eu un bon nombre, toutes les implantations de centrales ont rencontré l'opposition des populations locales. Nombreux sont les médecins et les scientifiques qui émettent un lien entre la survenue, l'incidence ou la valence de problèmes cardiovasculaires, de problèmes sanitaires, comme on disait tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu d'études vraiment
sincère et poussée pour établir le lien. Mais on s'aperçoit qu'autour de des zones d'implantation de ces centrales, il y a plus, par exemple, de cancer, de leucémie. Le tourisme, alors. Ben, le tourisme, c'est un peu les conséquences justement que l'on a évoquées sur les risques sanitaires et environnementaux. Donc forcément, si il faut savoir qu'il y a les incidents sur ce type de centrale sont listés, c'est accessible. Quand on voit que dans certains endroits, on met des boudins en travers des rivières lorsqu'il y a un accident. Voilà, imaginez l'impact, quoi. Sur le tourisme, le bien-être des habitants, c'est directement lié, justement, aux effets sur la santé et l'environnement. Si je peux ajouter, on parlait tout à l'heure de Vauguet et de l'incidence potentielle sur Vauguet. Imaginez des touristes qui continueraient de se baigner à Vauguet, au milieu de tous ces déchets industriels. On a l'impression quand même qu'on marche sur la tête. Il y a quand même un très mauvais niveau d'information sur les risques et autres. Parfois, on s'est contenté d'écouter l'exploitant et on signe. Et sans se poser plus de questions. Et on signe sur l'emploi ou sur le développement supposé du pays, ou etc., en donnant un blanc-seing à n'importe quoi. Exactement. D'accord. Sujet suivant, l'économie. Ça a complètement un lien avec tout ça. Alors, l'économie impactée à cause d'un projet comme ça ? Concrètement, si on fait la balance entre les deux emplois que généreront l'implantation de cette centrale, si on fait la balance entre ça et l'impact sur le tourisme, c'est-à-dire concrètement qu'on se pose la question, est-ce que les gens vont continuer, est-ce que les touristes vont continuer de louer à proximité d'une centrale d'enrobage ? Est-ce que les touristes vont continuer d'aller se baigner dans une eau potentiellement polluée au bitume ? Il faut savoir que à proximité, on a le camp de César, on a on a une zone Natura 2000, on a de quoi ne serait-ce que sur le territoire de la Ville-Dieu, on a de quoi développer des filières écologiques. Zone Natura 2000, est-ce que c'est pas en contradiction complète avec une implantation d'une centrale qui va polluer ? Enfin, c'est très loin, je suppose, la zone Natura 2000. Eh bien, alors, dans le dossier, il faut savoir qu'à la question « Est-ce que le projet se situe dans une zone Natura 2000 ?», la réponse, non. C'est à 125 mètres. 125 mètres ? Ah ben oui, c'est très très loin. Alors, ça comprend bien que... Voilà, 125 mètres. Circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. Bon, dernière chose, bien-être, cadre de vie. On est déjà sur ce sujet-là depuis un petit moment, on développe ça. Mais est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ça ? Ben, il y a quand même... aujourd'hui, sur les odeurs, il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation véritable. Par contre, les vents dominants, c'est nord-ouest ici. Donc pile à 1 km, hein, donc pile des risques odeurs. Derrière, bien quand même, il y a une partie de la population qui est consciente des risques, donc stress, etc., etc. Donc ça, évidemment, ça n'impacte que la vie de. Alors cette nuisance là. Principalement la ville-dieu. Par contre, tous les risques environnementaux, pollution, etc. Pour moi, c'est à partir de Vauguet et toutes les communes qui sont autour des Gorges d'Ardèche. C'est sur le bassin entier, quoi. Oui, puisque tout à l'heure tu parlais de Citernes, etc. Du coin. Donc on voit bien que il y a des gens qui vont botter en touche en disant ah circuler, il y a rien à voir. Nous, on n'est pas concernés. On habite à 10 km. 10 km, il y aura un impact. Ah ben oui, de toute façon, il y a un impact sur tout le bassin de vie autour et relativement à l'ouest, c'est-à-dire toutes les communes qui sont justement la communauté de communes des Gorges d'Ardèche, par exemple, sont également concernées. Donc l'intérêt général est complètement en jeu. Exactement. Et puis, on peut pas... tu parlais de botter en touche, on peut pas botter en touche. C'est l'Ardèche qui est connue, quoi. C'est pas simplement la vie de Dieu qu'on pourrait se contenter de sacrifier et finalement les gorges de l'Ardèche s'en sortiraient bien, etc. Non, si on continue de sacrifier la vie de Dieu, ce sera toute l'Ardèche qui sera impactée. Il faut qu'on arrive à mobiliser les citoyens, les élus,
mais l'ensemble des élus, et puis, tous les conseillers municipaux ou autres, qui s'intéressent à ce sujet. Quand on rencontre des élus, on voit qu'ils n'ont pas le bon niveau d'information. Merci beaucoup pour tout ce commentaire, justement, et toutes ces informations que je pense plein de gens ne connaissaient pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon courage, et continuez. Merci, et mobilisez-vous. Bon, donc, donc, n'oubliez pas, le 10 octobre à 16h à Saint-Michel-de-Boulogne, la conférence, il y a un concert, enfin, la conférence gesticulée sur la sécurité sociale alimentaire, et à la fin, il y a un concert, donc venez nombreux, c'est très intéressant. Et le 13 octobre, réunion publique, plus jamais ça, à la bobine, pour fédérer toutes les revendications et faire un consensus de tout ce qui se passe dans notre pays. À la bobine, le 13, c'est à quelle heure ? À 20h. À 20h. Bon, à bientôt. À bientôt.